30 juin 1966, Brownsville, ghetto de Brooklyn, où accouche un petit garçon, son nom, Michael Gerald Tyson, très vite surnommé Mike. Mike Tyson n'a pas 10 ans qu'il vit déjà dans la rue. Costaud, réputé comme un bagarreur teigneux et féroce, il fait les 400 coups et se retrouve rapidement en maison de redressement, à Tryon, où il apprend à se servir autrement de ses poings avec Bobby Stewart. Il m'a dit je veux être boxeur. J'ai dit comme tous les gars qui sont ici, mais ils n'ont pas assez de tripes pour ça. Je vous assure, je suis sérieux, monsieur Stewart. J'ai dit, voyons comment tu te conduis pendant quelques semaines et on verra. Et là, j'étais impressionné. Ce gamin a changé parce qu'il en voulait. Un des professeurs d'anglais m'a appelé un jour en me disant, bon sang, qu'est-ce qui arrive à ce gamin? En quelques semaines, il avait progressé en lecture autant qu'en une année. Il en voulait vraiment. Un jour que je boxais avec lui à l'entraînement, il m'a placé un direct qui a failli m'envoyer au tapis. Heureusement, j'étais en congé la semaine suivante parce que j'avais le nez cassé et les yeux au beurre noir. Le lendemain, j'ai dit à ma femme, c'est fini. J'ai dit à Mike, je connais Cus D'Amato. Il prend des gamins comme toi et il les entraîne. Il a découvert des champions, Floyd Patterson, José Torres et bien d'autres. Il m'a dit, c'est vrai? Pour lui, c'était un moyen de s'en sortir. Ainsi naît l'une des plus belles histoires du noblat. Rapidement, Cus D'Amato voit en Tyson l'étoffe d'un champion du monde. Le gamin s'installe à Catskill, dans le New Jersey, dans la maison de son mentor, et Bill Keaton, son premier manager, est tout de suite impressionné. J'ai rencontré Mike Tyson quand il avait seulement 13 ans. Ma femme et moi, nous sommes allés dans les montagnes de Catskill, puisque Jim Jacobs, un de mes associés, et moi-même, nous soutenions Cus D'Amato dans son camp d'entraînement pour enfants désavantagés. Nous lui rendions visite tous les 4 mois environ. Ma femme était amie non seulement avec Cus, mais également avec la femme avec qui il vivait, Camille Ewald. Nous sommes allés au gymnase, Cus a pris ma femme par le bras et lui a dit « Je veux vous montrer quelqu'un ». Et dans ce coin, il y avait un poids lourd noir qui frappait au sac. On aurait dit qu'il avait 17 ou 18 ans. Cus a dit « C'est Mike Tyson ». Il vient d'avoir 13 ans. C'était en juillet et son anniversaire était en juin. Et il va devenir champion du monde des poids lourds. Imaginez un garçon de 13 ans. Nous étions très surpris, mais c'est devenu la réalité. Mike Tyson devient de jour en jour de plus en plus fort au contact de Cus D'Amato, mais également de Teddy Atlas, son deuxième entraîneur. Et non content de progresser, il connaît l'histoire de la boxe sur le bout des gants. Good fighter. His name was Dave. What's his name? Shade. Huh? Dave Shade. Yeah, that's right. Dave Shade. That's right. Jesus. I don't remember that. And he fought Mickey Walker. Fought everybody. He knocked him the first guy, knocked out, what's his name? He became the lightweight champion of the world, Buffalo. Slattery? This guy remembers everybody. Slattery. Au milieu de ses camarades, Mike Tyson s'épanouit. Enfin, conséquence, il prend son envol rapidement dans la boxe. Ses premiers combats juniors démontrent un punch dévastateur. Et même ses sparring tombent rapidement, où est vraiment impressionnant. Cool. You think so? Mm-hmm. Oh, I don't think you're a good fighter. Do you really think so? Mm-hmm. What makes you think so? I don't know. Well, you must have some reason for thinking that. Why do you think it's a good fight? Looks like you can knock down anyone. Well, that's a very good reason, isn't it? Sacré champion national junior en 1981, Mike Tyson remet son titre en jeu. Concentré, toujours accompagné par Teddy Atlas qui veille sur lui comme un grand frère, Mike Tyson se dirige vers la demi-finale. Au commentaire, Christian Delcourt et Jean-Claude Boutier. Now, ladies and gentlemen, the heavyweight championship of the 1981 National Junior Olympic Boxing Championships in the red corner from Catskill, New York, representing region number one, 15-year-old Mike Tyson.
1982, Mike Tyson a 15 ans. Il pèse déjà 95 kilos et dans ce tournoi national olympique junior où il vient défendre son titre acquis l'année précédente, il affronte Joe Cortez. Début de combat explosif, jugé plus tôt. Here we go. Bombs away, Jimmy. Let's watch this carefully. Because Tyson in the blue is a bomber. He's trained by no other than Dusty Amato. Oh! And there it's all over. 8 secondes. Il n'a fallu que 8 secondes à Mike Tyson pour remporter cette demi-finale. Mike Tyson a remporté ses 5 premiers combats par KO. Mike Tyson, jeune boxeur, spontané, amateur. Il ne boxe que depuis 3 années simplement, mais déjà puncher. Et en 8 secondes, donc, il bat Joe Cortez. C'est le KO le plus rapide de l'histoire de ce tournoi olympique junior. Place alors à la finale et déjà un fan club féminin. Mike Tyson affronte Kelton Brown. Kelton Brown est un grand gabarit. Et les commentateurs de la télévision disent tout simplement que Tyson est un possible sélectionné olympique et qu'il a certainement l'étoffe pour devenir un champion professionnel dans les prochaines années. À lui de le démontrer dans cette finale. Tyson pénalisé pour son arrogance. En professionnel, c'est une chose qui passe, en amateur, absolument pas. Et cet avertissement va décupler les forces de Mike Tyson, agressif. Oui, on remarque la rapidité d'exécution pour un poids lourd. Il va très très vite, l'agressivité, elle est naturelle. Et déjà, il va devoir s'habituer avec des adversaires beaucoup plus grands. Voilà, il compense par la rapidité d'exécution. Et dans le coin de Kelton Brown, on jette l'éponge après simplement une minute de combat. Mike Tyson conserve son titre. Mike Tyson devient alors une véritable attraction. Mais comme tout boxeur, Kid Dynamite découvre la peur. Just relax. Don't get so tense. Relax. All it is another boxing match. You've done it already 20 times. You've done it in the gym with better fighters than you're ever gonna fight here. I mean, it's always hard, but I mean, you know, you always should have confidence because it always comes out on your side. You're always better than everyone you get in there with, right? So just relax, don't let your imagination get you. Let's go get ready for a fight, come on. Remonté, Mike Tyson peut de nouveau faire parler ses poings. Démonstration. See, but you wouldn't even come around to see.
always have to steal my kiss from you. Always have to steal my kiss from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Now I love to feel that. Mike Tyson reconnaît en Cus D'Amato le père qu'il n'a jamais eu. Une complicité fabuleuse, émaillée de moments tendres. Cus D'Amato pardonne tout à Mike Tyson. D'Amato lui enseigne ce qu'il nomme l'offensive furtive, avec une mobilité du tronc et de la tête qui lui permet de vite électrocuter ses adversaires, même sur la défensive. Mais cette technique ne lui suffit pas en finale des sélections olympiques face à Henry Tillman. Tyson, malgré cette droite, est dominé par Tillman, plus technique et plus rapide. Mike Tyson, écœuré, qui ne participera jamais aux Jeux Olympiques, au contraire d'Henry Tillman, sacré en 1984 aux JO de Los Angeles. Une leçon que Kid Dynamite ou Iron Mike a très bien retenue, mais au fait, pourquoi ces surnoms ? Iron Mike, parce que c'était un boxeur tellement extraordinaire. On oublie qu'il était un boxeur brillant. Les gens pensent qu'il n'était qu'un bon puncher. C'était un superbe boxeur de défense. Il n'a jamais été touché. Il savait comment éviter les coups et c'était ses talents de boxeur, remarqués par les spécialistes, qui lui permettaient de se mettre en position pour donner ses coups dévastateurs. Il n'a jamais pris de coups, des matchs entiers sans se faire toucher. Et en plus, jeune, c'était un garçon charmant, très poli, très respecté, comme modèle pour les jeunes. Il a fait des pubs pour la police, l'IRS, le service des impôts américain, Eastman Kodak, et pour beaucoup de grandes sociétés. Il était très respecté. Les gens oublient à quel point il était populaire et respecté. All my life, that's the way I am. It's like I'm just totally, I'm just normal. Freedom itself will always leave, you know, an everlasting effect on me. You know what I mean? You just never forget it. La boxe fait souvent payer un lourd tribut à ceux qui, grâce à elle, ont trop longtemps brillé. Comme Mohamed Ali ou Carlos Monzon, Mike Tyson n'échappe pas à cette impitoyable règle. Pour être devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire des poids lourds, pour avoir connu la fortune et la gloire, Tyson a été trahi par son passé. Quand il n'était alors que Mike, simple gamin de Brooklyn, à l'enfance déjà bien cabossé. Il a été condamné comme délinquant juvénile. C'est ainsi qu'on qualifie quelqu'un qui a commis un délit à l'âge de 16 ans. Il a d'abord été placé au sud de l'État, puis en raison de sa mauvaise conduite, on l'a envoyé à Tryon. 1980, Tyson échoue donc à Tryon, quasi analphabète, introverti malgré un physique déjà impressionnant, plus de 80 kilos à seulement 13 ans. Le jeune Mike ne connaît alors qu'un seul langage, celui de la violence, appris dans les rues de Bristol Park et de Rockaway Avenue. It's pretty bad. It's nothing seeing people getting shot over dice games. They killed over a dice game or something. A card game. It's a new life. Tryon marquera surtout la rencontre avec un homme, Bobby Stewart, son éducateur, ancien boxeur amateur. L'histoire est alors en marche. Tyson met naturellement les gants, le garçon est doué, c'est certain. Il lui faut un mentor, un pygmalion, capable de canaliser la fougue d'un jeune fauve. Ce sera Cus D'Amato. Je sais exactement ce qu'il ressent et je sais comment faire pression sur lui pour lui ouvrir les yeux et parfois l'influencer dans un sens précis. Et je sais aussi quand lâcher du lest. 4 novembre 85, fin du chapitre de Cus et du Kid. Constantine D'Amato est trahi par une pneumonie. Pour Tyson, la perte est immense. Mais surtout, le vieux Cus n'assistera pas un an plus tard au récital de son Mike au Hilton de Las Vegas, lui qui en rêvait tant.
Deux rounds. Il n'aura fallu finalement que deux rounds pour que la prophétie du vieux cul se réalise. Le talent de Tyson éclate au grand jour ce 22 novembre 86. Dedicate my fight to my great guardian Customato, and I'm sure he's up there and he's looking and he's talking to all the great fighters and saying his boy did it. He's smiling, that's right. Las Vegas, début de l'ère Tyson, celui de l'argent facile, des paris perdus. Et dire que 6 ans en arrière, Michael Gerard Kilpatrick était entendu par les services de police pour braquage. Tyson est dorénavant héros national en coulisses. Sa vie sera orchestrée comme une vaste campagne publicitaire. Le garçon introverti et zozotant est l'invité de toutes les télés. Please welcome Mike Tyson. Championship belt, or is that your watch? No, I the bracelet. A big, powerful, strong guy. You got such a sensitive, sweet voice. Thank you. It doesn't fit your personality. Jack LaMotta n'est pas le seul à tomber sous le charme. Les femmes aussi, surtout de Miss America à Robin Givens, en passant par Naomi Campbell. Tyson multiplie les conquêtes, réputé instable en amour. Il jette pourtant son dévolu sur Robin Givens, alors vedette d'une série télé américaine. Inquiring minds want to know how does a woman who went to Sarah Lawrence and Harvard Medical School wind up falling in love with a guy who's a graduate of the School of Hard Knocks? God, I want to know too. There's something, we have a lot of in common, traditional families, and we just sort of love each other. We sort of love at first sight. It was hard in the beginning, but we got through it and we ended up married. La question ne manquait pas de pertinence, car ils sont nombreux dans l'entourage du boxeur à trouver cette union pour le moins surprenante. Surtout Tyson n'est pas seulement lié avec Givens, mais également avec sa mère, Ruth Roper, surnommée la chercheuse d'or. Le couple infernal est en marche. Et les suspicions éclatent au grand jour. We welcome you back to Live at Five, Robin. The Sports Illustrated article and some of the others, the tone is that suggests that you and your mother are opportunists and that you are meddling too much in Mike's career. Right. That's absurd. First of all, I'm Michael's wife. And not only that, but we're family. I mean, my mother has become Michael's mother. An incident happened and we noticed a discrepancy with Michael's money. That's what sort of opened up everything. If Michael has $50 million and he's supposed to have $70 million. There's a problem. Donc, Madame Tyson compte les billets. Monsieur Tyson, lui, enchaîne les chaos. We get it! When Mike Tyson isn't earning $15 million in 91 seconds and Robin Givens isn't starring in television's Head of the Class, have I live as just an average couple of newlyweds on their $4.5 million New Jersey estate? He's very romantic. Il est très romantique. Tout à fait le genre à vous glisser un diamant sous l'oreiller ou bien essayer de lui dire apporte-moi quelque chose en passant un petit quelque chose. Il revient avec une Porsche. Ça, c'est tout, Michael. Robin Givens profite de Tyson car elle le sait perdument amoureux. Pourtant, au fil des mois, leur relation se détériore. Lui trop violent, elle trop cynique. La fin du deuxième chapitre de La Belle et la Bête. Michael est un maniaco-dépressif. C'est comme ça. It's been pure hell. C'est l'enfer. It's been worse than anything I could possibly imagine. C'est pire que tout. I think for the first time, pour la première fois, je comprends les femmes violées. There's a time when he cannot control. Quand il ne se contrôle plus, c'est terrifiant. Pour moi, ou pour ma mère. J'ignore ce que Mike Tyson deviendrait sans ma mère, ce qu'on deviendrait. C'est grâce à elle si on est encore ensemble. I mean, she's been the glue that's kept us together. Givens called police to the Bernardsville house this weekend, claiming the champ was tearing up the house and threatening her and her mother. If she wants it right now, take me. She can leave right now. Take everything I have and just leave. Love can be fleeting. The soap opera marriage of boxing champ Mike Tyson and actress Robin Givens is coming to an end. She announced today through her lawyer that she's seeking a divorce after 8 months together. Octobre 89, fin du conte de fées médiatique. 4 mois plus tard, Tyson sera mis KO par James Buster Douglas. Le début d'une longue descente aux enfers. There's nothing wrong with thinking about God, but they're thinking about all the time. Everything they do. Not that guy there. Not you. Yeah, the common sense. Sometimes you give me a complex. Like the other day, right? I was saying. Yeah. Who got the complex? You. The other day I was like this. I said, yeah. I'm talking to this girl. They were saying. I better not do that, because doesn't like a fool. If you do because I said it, you're a fool. You gotta do because what I said was right. That's what you gotta do it for. Not because I said it, all I do is remind you. You gotta do it because you know it's right to do, it's gonna benefit you in the long run.
have a problem. Do you want something called to report a rape? The person started attacking me. Not attacking me, but like he being very aggressive and trying to take my clothes off and then just basically force himself upon me. I can tell you that there has been a rape incident report made, and it's my understanding that Mr. Mike Tyson has been alleged to have committed the crime. Une fois de plus, le vieux Cus avait donc raison. Juillet 91, Indianapolis, Tyson est invité à l'élection de Miss Black America. Rapidement, il succombe au sourire de la lauréate, une certaine Dizzy Washington. Oh, I'm in a dream day after day. Beautiful women, such an array. What can I say? Yeah, definitely, that sounds better. La suite, vous la connaissez, Tyson s'apprête alors à livrer face à la justice le plus difficile combat de sa carrière. I'm innocent. How you doing, Charles? Alright. I come to a court here in Indianapolis. What do you want people to know here? Well, basically, I'm innocent. You do nothing to us. They're watching what happened. I know what happened, and we're going to prove that I'm innocent. Septembre 91, Tyson est poursuivi pour tentative de viol. 5 mois au cours desquels l'Amérique tout entière retient son souffle. Un jury conservateur, des pièces à conviction confondantes, mais surtout la parole d'un boxeur aux allures bestiales face à celle d'une lycéenne catholique pratiquante, l'issue du procès ne fait aucun doute. Pourtant, l'Amérique se passionne, comme elle le fera quelques années plus tard pour le procès d'O.J. Simpson. Shame on you people. Shame on you for blaming the victim. Tyson devient l'ennemi public numéro 1. Le boxeur n'est plus alors qu'un violeur et les témoignages de soutien se font rares et souvent encombrants. Wait, I'm talking to women now. We gonna talk now. See, the day of the BS is all over. You're not dealing with a man that don't know you. Le 27 janvier 1992, pour 5 voix contre une, Mike Tyson est condamné à 6 ans de prison et 30 000 francs d'amende. Le plus jeune champion du monde de l'histoire des poids lourds n'est plus maintenant qu'un simple matricule, le numéro 922335. Le ring de 6 mètres sur 6 du MGM de Las Vegas est remplacé par une cellule de 3 mètres sur 2 dans la prison de Plainfield. Tyson a alors 26 ans, lui que l'on présentait comme le digne successeur d'Ali ou de Sonny Liston, passera près de 4 ans derrière les barreaux. Les légendes ont la vie dure, Tyson la prend une nouvelle fois à ses dépens. One day, fight Mike Tyson, you effing tree jumper. And I didn't know what a tree jumper was. I thought he meant like I was a great athlete or something, like jumping out trees. And I was telling him, what's a tree jumper? He said, tree jumper is a rapist. You know, you wait for a little kid to go by and you jump up the tree and grab them. I said, oh, Christ. No, I never think about fighting. Never. They finally got some justice. Devant la porte de la prison, 2000 journalistes accrédités. Il est 6h20 et Mike Tyson sort. Le garde du corps de Don King protège le visage de Tyson. Sans un mot, sans un geste, il part. Personne ne sait où il va, ses amis, ses frères musulmans restent silencieux. Ses fans veulent le suivre. Les amis du champion les plus proches savent eux que Tyson veut aller prier. Tous se retrouvent donc à la mosquée d'Indianapolis comme Mohamed Ali qui arrive avec son fils. «
La mosquée est interdite aux curieux. Tyson a exprimé le souhait de se recueillir en privé. Après une heure de prière, le champion, sans un mot, repart. Il fera cependant distribuer aux journalistes une lettre. Et c'est toujours avec son nom de champion qu'il signe ces mots pour dire qu'on le reverra bientôt. Afternoon. In the last 3 years, I have had the chance to reflect on my life and develop my mind, and I will continue my journey to making myself a better person so I can help others. But I'm here today to make a statement about my future. There's been a lot of speculation about my plan, and here they are. I will fight again. I will fight again. I will fight again. août 95, l'événement, le premier retour de Mike Tyson sur un ring à Las Vegas, la ville de son premier titre mondial. 1095 jours sans mettre les gants, l'Amérique s'interroge, l'engouement médiatique est sans précédent. McNeely ne tiendra pas un round, mais tout cela a bien peu d'importance. Tyson veut seulement redevenir le numéro 1. Une oreille mordue entrée dans l'histoire, celle d'Evander Holyfield. Les deux hommes se sont déjà rencontrés une première fois. Holyfield l'a remporté logiquement dans la 11e reprise. Cette fois, le combat est plus sévère, à la limite de la correction. Résultat, Tyson perd patience et commet ce geste fou. Well, I think you should always fight a vegetarian. I really believe that. All fighters should eat before they fight. Come on out of there, champ. No. Come on out of there now. No. Man, I ain't going out there to fight this guy, man. Come on out of there. Those pay-per-view people, they can just go find another sucker, because I ain't going out there. Tommy, he's a changed man. He's had counseling. I ain't going out there, man. Now, eat me alive. I ain't going. 6 weeks of training. What, are you kidding me? You got nothing to worry about. What you mean I ain't got nothing to worry about? Not going anywhere for a while. Everybody's waiting. You're hesitating. They can just find somebody else. Grab a Snickers, because nothing handles your hunger better. Come on out of there. Hungry? Why wait? Available to us, which it appears is a maximum fine of $3 million and revocation of license. Les écarts de Tyson, son incivisme dans la vie comme sur le ring, irritent, agacent l'Amérique. Tyson joue trop souvent l'arrogance, comme lorsque pour la première fois il arrive en moto à la commission du Nevada pour récupérer sa licence. Sans licence, Tyson ne peut plus exercer son métier, surtout. À bientôt 30 ans, le temps presse. Heureusement, il pourra compter sur le soutien de ses amis Mohamed Ali en personne ou encore Magic Johnson. Des tuteurs précieux qui lui permettront d'effectuer son deuxième comeback. I would suggest that you just hold on, you know, to those deals because you might lose a lot of money. You guys know what I do. You know what I do. I put people in body bags. Tyson Botha, un combat à la limite de l'affrontement. Ce 16 janvier 99, le fauve affronte le bison blanc. Dominé lors des 4 premières reprises, Tyson démontre qu'il n'a rien perdu de son punch. Celui que l'on surnommait Mike T fait toujours frissonner. Et on se prend alors à rêver, si Mike Tyson redevenait Mike Tyson, l'animal que personne n'osait aller défier. Mais la justice va une nouvelle fois rattraper l'enfant terrible des rings. Un mois seulement après son succès prometteur face à Botha, Tyson est une nouvelle fois condamné à 1 an de prison pour des faits qui se sont déroulés 8 mois auparavant dans le Maryland. Madame et Monsieur Tyson sont en voiture, Madame est au volant et se fait percuter par 2 automobilistes. Une bagarre éclate,
Tout cela pour un simple accident de voiture, une simple éraflure. Problème, au moment des faits, Tyson est en liberté conditionnelle. Il prend donc à nouveau le chemin de la prison. Je me fiche de ce que vous pensez de moi, bon ou mauvais. Mais vous savez que quand je monte sur un ring, j'y vais à fond et vous n'êtes jamais déçu. Je ne suis pas une poule mouillée. La façon dont il s'est conduit le discrédite. Et un vrai combattant ne cherche pas d'excuses. Troisième comeback face à Orlin Norris. Une fois encore, Tyson est obligé de se justifier. Justifier parce que ce 23 octobre 1999, il est une nouvelle fois passé outre le règlement. Un coup donné après le coup de gong, Orlin Norris s'écroule sur son genou et ne repartira pas. Entre l'esbrouf de Norris et l'indiscipline de Tyson, la commission du Nevada donnera un match nul. Jugé indésirable sur la côte ouest des États-Unis, la saga Tyson continuera donc cette fois outre-Atlantique face à Julius Francis. All my life, that's the way I am. It's like I'm just totally, I'm just normal. Prison itself will always leave an everlasting effect on me. Personne ne peut me battre. Non, personne ne peut me battre. Avec Tyson, le monde du boxing business a pris une dimension irréelle. Et c'est sûr, à ce petit jeu, personne ne peut les battre. Sauf Don King, toujours à l'affût des bons et des mauvais coups. Flairant la bonne affaire dès l'éclosion mondiale de Tyson, il réussit enfin à obtenir un contrat d'exclusivité avec lui au début des années 90. Il évince de sa route Jim Jacobs et Bill Keyton, alors en charge des intérêts de Tyson, et dont la mainmise sur la carrière de leur poulain devenu star commençait à leur échapper sous les pressions d'un entourage de plus en plus gourmand. Bill Keyton a depuis la dent dure contre Don King. Keyton qui a réussi à faire gagner plus de 80 millions de francs à Tyson lors des deux premières années professionnelles de présence sur les rings. Don King a été une destruction totale pour Mike. Il l'a exploité et surtout il ne lui a jamais permis de s'exprimer le mieux possible. Au contraire, il a tout fait pour détruire ses qualités. Ok, Jim Jacobs est décédé, mais Don King a viré un à un tout l'entourage de Mike et notamment son entraîneur Kevin Rooney. Non, Don King est vraiment un sale type. Son seul objectif est de contrôler complètement tous ses boxeurs et de les exploiter. Don King, l'homme de tous les défis et de tous les dangers dans ce grand monde de la boxe. Tyson ne maîtrise pas sa vie, encore moins son argent. Celui que l'on surnomme Only in America s'en charge aux frais du champion du monde. Et pour sa première promotion avec Tyson, Don King organise un titre mondial à Tokyo. Pour son 11e championnat, Tyson doit rencontrer l'inconnu James Buster Douglas, un autre protégé de Don King. Les suites du différend entre Don King et Bill Keyton se prolongent, bloquant les retransmissions télévisées jusqu'au dernier moment. La société de Keyton détient encore en effet l'exclusivité télévisée des droits de combat d'un Tyson auquel on promet déjà Holyfield. Tyson n'est plus boxeur, un homme tombe ce 10 février 90, le champion unifié se désagrège et Don King lui garde le sourire et la ceinture, c'est son système. Tyson n'est qu'un pion, mais un pion qui vaut cher. Don King est un homme sans aucune conscience, mais qui possède de bons avocats. Il se débrouille toujours très bien devant la justice et les gens croient tous ses mensonges. Don King, un homme donc sans scrupules, mais il s'en défend à chaque instant et se présente au contraire comme le grand samaritain de Tyson, Don King, le roi des idées lumineuses. Le business de Tyson, c'est tout simplement l'héritage de celui d'Ali. Quant à moi, je suis tellement heureux d'être resté le numéro 1 du boxing business depuis 27 ans. Pourtant, tout a bien changé. Mais je suis toujours à la recherche de nouveaux business. Tyson en fait partie. Il faut sans cesse explorer et développer cet aspect économique, ce qu'a fait Mike également en s'attachant les services de deux jeunes qui n'avaient pas les prédispositions à s'occuper d'un athlète de son envergure.
Il en a fait deux millionnaires immédiatement. Tout cela a créé du business, de l'emploi. Et oui, le baratin peut continuer comme cela des heures et des heures. Tyson le réalisera bien plus tard. Si Dunking est la main toute puissante du système financier de Tyson, Rory Holloway et John Horn sont depuis longtemps ses deux bras droits, deux amis d'enfance, deux co-managers, tout sauf manchots en affaires. Et avec Tyson, ils ont trouvé le bon filon, le bon pigeon, le Team Tyson est né. Mike n'est pas notre premier intérêt, non, c'est notre seul intérêt. Tout est résumé dans cette phrase. H et H, Holloway et Horn, toujours sur les pas de Tyson depuis qu'il s'est séparé de Keaton, encore plus après les 3 ans d'emprisonnement pour viol. Et je veux confirmer John Horn et Rory Holloway comme mes managers. Ils font partie de mes amis les plus proches depuis des années. Ils m'ont beaucoup apporté dans ma carrière professionnelle et ils continueront donc dans cette voie. Je confirme aussi Don King pour la promotion de mes combats. Don est le plus grand promoteur au monde. J'ai enfin choisi Showtime pour retransmettre mes combats, une chaîne où j'apprécie les commentateurs, et j'ai également choisi de boxer au MGM de Las Vegas. Voilà, j'espère vous revoir bientôt, et qu'Allah vous bénisse. Voilà, Tyson is back. Et bien sûr, tout le monde veut en croquer. Horn et Holloway ont donc réussi à négocier un nouveau contrat lucratif avec Showtime et le MGM. Les millions de dollars tombent comme jamais avec des bourses jamais atteintes dans toute l'histoire du boxing business. 25 millions contre McNeil, 5 contre Matisse, 30 contre Bruno, 15 contre Seldon, 30 et 30 contre Holyfield, 8 contre Botta, 10 contre Norris. Au total, 153 millions de dollars. Des bourses qui ont en fait défrayé la chronique au fur et à mesure de sa carrière. Il est loin, très loin, le temps où le jeune Mike empochait 3000 francs en 1985 pour ses débuts professionnels. Please, please, please. Avec les succès et les chaos, il signe dès son 18e combat un contrat de 5 millions de francs pour 4 combats sur la grande chaîne nationale ABC. Très vite, HBO ajoute 9 millions de francs pour 3 autres combats. Tyson est explosif et ses adversaires explosés. C'est donc en millions de dollars qu'il faudra compter après la prise du titre contre Berbick dès 86. L'entourage de Tyson aime également les bons coups de pub pour parfois redorer l'image d'un boxeur défaillante. Visite chez les défavorisés et contacts nombreux avec les enfants que Tyson a toujours adoré. Il reste la cible privilégiée de ses rares sorties publiques. Et on n'hésite pas même à mettre la main à la poche et signer des gros chèques pour diverses associations. Les années pay-per-view font tout exploser alors, avec au cœur du système Tyson, toujours Don King qui sait se faire beau pour vendre son produit de luxe. Si Showtime se charge de vendre le pay-per-view à près de $50 le combat, 300 francs environ, Don King vend de son côté la diffusion du combat dans les différents circuits fermés des hôtels et restaurants. Avec Tyson, c'est souvent du gâteau. 1 600 000 foyers pour McNeil, 1 400 000 pour Bruno, 1 million pour Seldon, 1 million 8 et 2 millions pour Holyfield. Tyson n'est plus un boxeur, mais un produit marketing. Ma femme a une nouvelle ligne de vêtements. Be real, sois toi-même. Et je vous l'avoue, je suis son sponsor. Be real, sois toi-même. Difficile pour lui, l'épisode de la morsure du siècle plonge enfin Tyson, autant dans le doute que dans la réflexion sur son engagement avec Don King et ses deux managers, Holloway et Horn, qui se comportent verbalement en véritable voyou à l'issue de ce triste combat, avec des déclarations inadmissibles. Tyson se comprend manipulé. La séparation est inévitable. Tyson, qui en viendra même aux mains avec Don King à New York, cinglant
comme ses quelques crochets uppercuts ou directs, assénés à son ancien promoteur et recueilli par Michel Denisot. Il y a quand même beaucoup de changements autour de vous, notamment le départ de Don King qui a tenu un rôle important à vos côtés. Aujourd'hui, vous ne travaillez plus avec lui, vous lui réclamez 100 millions de dollars. C'est définitivement terminé avec Don King. Vous pensez qu'il vous a fait plus de mal que de bien ? Well, Don King was a piece of shit. This is true, and he did take advantage of me because he only did that because I allowed him to because of my trust. You know what I mean? I'm just the person that when I'm with you, I give you my all, and I was under the impression that they were people like me. I fed into the bullshit that we're together, we're brothers, and we're gonna fight together, and anybody would love to accept that. Everyone wants to be a part of a family, just have a goal and accomplish a goal together. But he didn't have, he had different ulterior motives than I did. He's a fat piece of shit. Vous pensez qu'il vous a abusé? Oh, I believe he did, yes, ma'am. Qui gère votre carrière aujourd'hui? Okay. Mike Tyson. Oui, avec un nouveau manager, Shelly Finkel, et un nouveau promoteur, Dan Goosen, Tyson plaide lui la sincérité légendaire et non financière désormais. Vous savez, pour être vraiment honnête, je veux devenir un champion comme Muhammad Ali, Henry Armstrong, Barney Ross, des gars comme ça dont on retient le nom pour leur art pugilistique pendant des années, toute l'éternité. C'est ce que je veux devenir, et non un riche businessman, un cochon capitaliste, ou quelque chose comme ça. Je veux leur ressembler. Aujourd'hui, quand on lui parle d'argent, Tyson ne croit plus personne. Si, une seule, son ancien mentor, Cus D'Amato, qui reste bien présent dans un coin de sa pensée. Tyson qui a découvert voici quelque temps que le vieil homme lui avait ouvert un fonds de retraite en cachette, une somme s'élevant à 200 000 dollars. Pour moi, c'est insignifiant, mais c'est le geste qui compte. Ce geste vaut tout l'or du monde, dira Tyson. Insignifiant, bien sûr, pour la mine d'or, Tyson, le sportif au plus gros gain de toute l'histoire du sport en général. Un homme qui aime finalement peut-être plus l'argent tout de même que son entourage, la preuve avec ce dernier aveu. La Tyson Mania ne s'est pas cantonnée au pays de l'oncle Sam. Elle s'exporte avec toujours le même engouement, à chaque fois une folie médiatique, une hystérie collective. Son arrivée à Londres en 2000 est digne des plus grandes rockstars. George Michael, arrivé quelques minutes auparavant, est passé quasiment inaperçu. Londres, Tyson connaît déjà pour y être venu en visite de courtoisie. C'était en 87. Mike Tyson n'a que très rarement quitté l'Amérique. À chaque fois, c'est une folie médiatique, une hystérie nationale. Premier combat à l'étranger pour Mike Tyson à Tokyo en 88 face à Tony Tubbs. Victoire par KO à la deuxième reprise. Retour au Japon pour ce qui sera l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la boxe. Outre cette polémique suite au knockdown infligé à Douglas, qui ne s'est relevé que 14 secondes après, c'est une image d'un Mike Tyson complètement à la dérive qui restera gravée dans toutes les mémoires. Deuxième combat à l'étranger et première défaite pour Mike Tyson. Après l'Angleterre en 87 et le Japon par deux fois, Mighty Max devait de passer un jour par Paris. Ce sera chose faite en avril 91
et furtivement quelques années plus tard. Live and direct this year, watch all the human conflicts out and get here, see? Watch me. Because they ready me, cool ready me, nice ready me, spring ready me, chip. Cause I'm some of them are bigger than more than them, not no old bitch. Cause they cooler than them, cooler than ice, cooler than they love food. Cause they want to come test their room, why but them just can't do it. Only they want to talk, but they want to be impressed. But they know that they have to call a rope, why come in life and direct. Wa-da-da-da-da-da-da-da. Then the young man come to get them problem. Wa-da-da-da-da-da-da. Watch me. Cause some of them big, some of them small, some of them are them kinda sweet. Some of them girls, them not what is them drugs are do, cause they talk or eat. Cause them want to me nice, want to me sweet, want to me now at everywhere. Cause me say no matter the top of their wrist, and they know me just don't care. They come to me, want to me this, want to me this, want to me know I like or that. Cause they know, say they talk or you, me just a movie for this, but wa-da-da-da-da-da-da. Then the young man just a give them problem. Wa-da-da-da-da-da-da. Watch me. Come back again. Wa-da-da-da-da-da-da. Watch this. Give me a break. I said no semi-nice, no semi-sweet, no semi-better than it. Notre but, c'est que ceux qui viennent assister au combat de Tyson rentrent chez eux en se disant « À quand le prochain match ?» Nous pensions que l'heure était venue de commercialiser Mike Tyson. Nous avons eu recours à une technique inexploitée jusqu'alors, tout simplement parce que les managers ne se servaient pas de cassettes vidéo. Nous avons fait des cassettes avec tous les combats de Mike et nous les avons envoyées à tous les grands journaux sportifs et à toutes les chaînes de télévision des États-Unis. Jim Jacobs, Bill Keaton, ces deux personnages complètent l'entourage de Mike Tyson à ses débuts et eux aussi ont senti quelle partie ils pourraient tirer du formidable potentiel du jeune Mike. Keaton s'occupe des contrats, en particulier avec les télés, tandis que Jacobs se charge des rapports avec la presse et du choix des adversaires. On peut alors parler d'ascension fulgurante pour Tyson. Il dispute son premier combat professionnel le 6 mars 85. Le 20 juin de la même année, il passe pour la première fois en direct à la télé. Dans ce court laps de temps, les deux promoteurs signent pour leur champion un contrat avec le réseau câblé ESPN, avec comme condition le fait que Tyson ne monte jamais sur le ring après 21h pour que le compte-rendu de ses combats puisse être repris au bulletin d'information de 11h. À partir de ce moment, la Tyson Mania bat son plein, les salles sont remplies, la presse et les télévisions rapportent le moins de ses faits et gestes. Un documentaire intitulé « Cus et le Kid » sera programmé sur CBS. Tyson est l'invité de toutes les émissions télé, de Today sur NBC à Good Morning America sur ABC. Même Sports Illustrated le met à la une. Tyson, à 19 ans, est adulé comme une rockstar, surtout par les enfants. To be on your team. Well, you might be too young, but you're pretty enough. Mais voilà, la vie de Mike Tyson n'est pas un long fleuve tranquille. La presse est là aussi dans les mauvais moments. Comme il donne peu d'interviews, Tyson est poursuivi, et si Cus D'Amato a fait de lui un champion, il ne l'a pas préparé à la vie d'adulte. Si au départ il ne s'agit que de brides de matériel, d'objectifs cassés, de photographes légèrement molestés, Tyson se retrouve à la une de la rubrique Faits divers après son altercation avec Mitch Green en août 88. Et là, il devient une cible. Sa maison est filmée d'hélicoptères, ses déboires conjugaux s'étalent en ouverture des journaux. Bref, la pression est bien là.
C'est vrai, je n'ai plus aujourd'hui vraiment de vie privée. Tout ce que je fais est relaté dans les moindres détails. Je prends par exemple ma voiture, immédiatement je suis suivi. J'embrasse ma petite amie, c'est pareil, c'est tout de suite à la une des journaux. Et pourtant, je dois composer avec tout cela. Mais vous savez, il faut être très fort pour résister à toutes ces pressions. Tyson est donc le client idéal. La stratégie mise en place par Keaton et Jacobs paye. Il est dans tous les journaux de boxe, mais pas seulement ceux de boxe. Pendant l'été 91, l'affaire Désiré Washington éclate. Là encore, la presse est partout. Il n'y a pas un de ces déplacements qui ne soit épié. Tout le monde veut avoir une réaction. L'affaire divise l'Amérique et Tyson est condamné à 6 ans de prison. Mais la presse est encore là. En prison, Tyson donnera 3 interviews, dont une en particulier à une télévision française, la seule. De nombreuses personnalités viendront lui rendre visite. Shaquille O'Neal, Spike Lee, Whitney Houston et MC Hammer entre autres. Et aussi une certaine Monica Turner qui deviendra sa femme, la deuxième. En attendant, les temps sont durs pour le plus jeune champion du monde, poids lourd. What do you think is your immediate future? I basically, I just keep, you know, I mean, go live day by day and wait for the, you know, see where the chips drop. I might not even want to box. I've been bored with boxing for 4 years already. I might not even want to fight anymore once I get out. You think about that? No, I never think about fighting. Never. Est-ce que tu vas reboxer en sortant? Yeah, I would like to do that. I'd like to do that. Tu sais quand? Le 24 mars 95, plus de 12 heures avant sa libération, les caméras sont déjà en place et les services de sécurité sur les dents. Tout le monde se tait, mais les reporters assurent déjà le direct. Les photographes cherchent, eux, la meilleure place. Les projecteurs des hélicoptères des télévisions trouent la nuit et les fans attendent Tyson devant la prison comme le Messie. À 6h20, le 25 mars 95, 2000 journalistes, dont certains sont venus d'Angleterre, assistent enfin à la libération du champion qui s'engouffre dans une limousine. Seul le directeur de la prison, Phil Slevens, répondra aux journalistes. Après un rapide détour par la mosquée pour prier avec Mohamed Ali, pour toute déclaration, Tyson fait distribuer un communiqué aux reporters et se rend directement à l'aéroport d'Indianapolis. Là, il n'y a plus qu'une seule caméra qui a été autorisée à pénétrer dans l'enceinte, c'est celle de Don King. Et Tyson quitte Indianapolis, il a rendez-vous à Las Vegas le 19 août, et là encore, malgré son refus de parler, Tyson déclenche la folie médiatique. C'est son portrait qui s'affiche sur la façade du MGM, et même le titre de la réunion ne laisse pas de place au doute. He's back s'étale partout, Tyson est de retour. Sur le tableau lumineux du MGM, le combat de Tyson est le combat vedette d'une réunion comptant 4 championnats du monde avec entre autres Terry Norris, Bruce Seldon. Tyson, lui, se terre dans sa propriété de la banlieue de Vegas. Pourtant, pour les médias, l'événement est exceptionnel. The return of Mike Tyson, the name of the fight is He's Back, the return of Mike Tyson. The interest in the public is phenomenal. The event is already sold out. The ringside seats are $1,500. Celebrities are coming from all around the world. We hear that Michael Jackson is coming in from Switzerland and that Michael Jackson may sing the national anthem. He's never sung a national anthem. From the media side of it, it's bigger than World Series, bigger than World Cup, bigger than the Super Bowl. Over 4,000 media people have applied for credentials, and we've had to, unfortunately, we can't accommodate everyone from around the world. We have people coming from Asia, Australia, all over Europe, worldwide. I can't remember a fight with this much interest. You have to go back to 1971 to the first fight between Muhammad Ali and Joe Frazier. Mike Tyson is simply the most compelling boxer today.
even though he's been gone for 4 years, he is the guy that people are most interested in. That doesn't necessarily mean they like him the best. They're just most curious about him, his personality, the power that he brings to the ring. And what we will see here on Saturday night is not so much a fight as it is a coronation. Mike Tyson is back. Well, obviously, as you can see, it's created quite a frenzy. You know, when a guy's away for 4 years and he was world champion, even though he wasn't champion when he left, clearly it's going to be an event. And I think we can see that even though he's not fighting a top contender, it's still a mega event. So for boxing here, at the very least, it's meant a lot of attention focused on the sport. Regardez bien cet homme. Joe Hip va disputer un championnat du monde. Il donne une conférence de presse devant une salle vide. Lorsque Tyson paraît, la salle semble trop petite. Vous ne pourrez pas les compter, mais ce sont bien 75 caméras de tous les pays et de toutes les télés qui sont alignées devant l'estrade. Et lorsque Tyson se lève pour une courte déclaration, le son des appareils photo va couvrir le son de sa voix. Écoutez bien. Lorsqu'il s'en va, la cohue est indescriptible et pourtant Tyson refuse toujours la moindre interview. À la fin de la conférence, il sort par une porte dérobée et rentre chez lui sans un mot à la presse. Deux jours plus tard, à la pesée, 4000 spectateurs et l'ensemble des médias sont encore présents. Personne ne veut rater une miette du retour de l'enfant terrible de la boxe. Finalement, plus de 15 000 spectateurs assisteront à sa victoire. Tyson, indésirable aux USA, il franchit l'Atlantique et pour la première fois vient boxer en Europe. 18 janvier 2000, aéroport de Londres, Heathrow, on peut parler de folie médiatique. Même scénario à Manchester où aura lieu le combat. Devant l'hôtel transformé en bunker, les journalistes font le pied de grue. Seule la salle d'entraînement installée dans l'hôtel est ouverte à la presse. Là encore, tout le monde attend et espère un mot, un regard. La salle paraît même presque trop petite. Mais finalement, Tyson remonte dans sa chambre sans rien dire. La presse dans l'hôtel et les fans dehors. Même Ian Dark, le commentateur numéro 1 de la télé Sky Sport, n'a jamais vu cela. Oh, this is just absolutely incredible. I've never seen anything like this, and I've been covering boxing for 20 years. All those people who say boxing is dead ought to be here and see this. It's crazy, isn't it? Tyson in Europe, in Manchester, that's the best thing for boxing. Oh, I think so. I mean, this is the biggest thing that's ever happened in England with boxing since Muhammad Ali was here fighting Henry Cooper, and you're going right the way back to the 1960s, aren't you? Et puis, par la magie d'un album, l'événement devient extraordinaire. Un supporter de Mike Tyson a compilé toute la vie du boxeur et réussi à venir lui présenter à l'hôtel. Une seule télévision assiste à l'entretien, c'est Canal+. Instant magique dans l'intimité du champion. Big Tyson, comme ça, c'est... elle est très très belle. Tu parles français? On dit bonjour en français. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le soir même, Tyson apprend que le français est dans l'hôtel. La suite se passe de commentaires. Il est 22h30 dans la chambre de Tyson. You were sleeping when they told you that he was there for your book. And you want his book. Yeah. What does it mean for you? It means a lot. My kids don't. I don't have a lot of. I never. When I was fighting, I never collected a lot of pictures and stuff. So now this is about two needs. Someone did it, now I can have good pictures for my kids. When I die, they have pictures of me. Tiens, Mike. Il sort. C'est pour toi. Trois jours plus tard, Tyson rencontre l'anglais Julius Francis, un Francis tellement persuadé de sa défaite, mais tellement conscient de l'impact médiatique du combat qu'il vend ses semelles de chaussures à un sponsor. Depuis, Tyson est venu deux fois en Europe pour boxer, en 2000 à Glasgow contre Lou Savarez et en 2001 à Copenhague pour rencontrer Brian Nielsen, deux victoires faciles, Lennox Lewis et d'un tout autre calibre.
Tyson est donc avare de propos dans la presse, pourtant quand il parle, ça n'est pas pour rien. Les derniers événements donnent encore plus de relief à ses propos lorsqu'il déclarait « Je crois que je ne trouverai jamais le bonheur, car il y a en moi un sentiment d'autodestruction. Je sais que je ne vivrai pas vieux, je ne serai jamais un être normal, mais je ne mettrai jamais un genou à terre devant personne. » C'est peut-être son premier entraîneur, Teddy Atlas, qui détient la vérité.